S'il a vraiment changé quelque chose dans ta vie, il mérite nos acclamations, nos ovations. Si ta vie n'est plus sec, si ta vie est inondée de vie, c'est lui que nous célébrons ce matin. Nous pouvons nous asseoir dans sa sainte présence. Alléluia. Amen. Ce matin, nous rendons grâce au Seigneur. C'est un privilège de nous tenir dans sa sainte présence. Et quand nous venons dans sa présence, nous sommes encouragés à avoir les regards sur lui. Nous venons tous dans la présence d'un seul Dieu. Évitons la tradition de venir à la rencontre du pasteur. Beaucoup disent, ah, je viens au culte, je veux rencontrer le pasteur. Qu'est-ce que le pasteur peut faire pour toi? Nous venons à la rencontre de Dieu. La Bible n'a jamais dit de te préparer à la rencontre du prophète. La Bible n'a jamais dit de te préparer à la rencontre de l'apôtre. La Bible ne t'a jamais dit de te préparer à la rencontre du pasteur. Qu'est-ce que la Bible dit? Prépare-toi à la rencontre de qui? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Parce que de plus en plus, les gens se préparent pour aller rencontrer le pasteur. On se prépare pour aller rencontrer le prophète. C'est là la défaite de l'Église. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Dieu s'est imposé d'être présent au milieu de son peuple. Quand toi tu rentres, est-ce que tu es conscient de la présence de Dieu? Si tu es conscient, regarde tes pensées. Regarde ta manière de l'adorer. Regarde ta manière de le louer. Quand on dit de proclamer, tu as l'impression que quelqu'un te force à dire des paroles. Quand on te dit de chanter, tu as l'impression que quelqu'un te force à chanter. Cela n'est pas ainsi que tu es conscient de sa présence. Le Seigneur nous invite à changer nos traditions. Sinon, nous annulons sa parole. Ce matin, nous allons voir ensemble. Vivre dans l'abondance en Christ. Marcher dans la plénitude. Agir avec fermeté. Vivre dans l'abondance en Christ. C'est le moyen de vivre. C'est vivre en quoi ou dans quoi? Vivre pourquoi? Moi j'ai décidé, j'ai choisi, au regard de la parole de Dieu, j'ai choisi de vivre dans l'abondance en Christ. J'ai choisi de marcher dans la plénitude afin d'agir avec fermeté. Dieu a tout fait pour nous dans le but de nous donner une destinée d'abondance. Dis à quelqu'un, tu as une destinée d'abondance. Dis à une autre personne, rentre dans ta destinée d'abondance. Ah oui. Au commencement, il a dit, faisons l'homme. Dis à quelqu'un, Dieu n'a pas dit, fabriquons l'homme. Dis à quelqu'un, je suis un fait de Dieu. Demande à une autre, est-ce que tu aimes les choses faites maison? Ah bon, c'est ici que moi j'ai appris ce terme. Que c'est fait maison.
Alléluia. Quelqu'un a dit l'original. Commencement, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu nous a créé à son image. Ce n'est pas à sa... ce n'est pas, il ne s'agit pas d'une photo. Ce n'est pas une photo qu'il s'agit. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, Dieu veut que nous vivons aussi selon sa ressemblance, sa manière de vivre. Est-ce que Dieu vit dans la pauvreté? Dieu a-t-il à quel genre de vie? Les cieux sont remplis d'abondance, de surabondance. La terre est remplie d'abondance. Tous les trésors, toutes les richesses de la terre, ce n'est pas pour les anges. C'est pour qui? C'est pour l'homme. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Si le premier homme n'a pas vu l'abondance de Dieu, moi je peux douter du Dieu de l'abondance. Mais la Bible nous révèle tout ce que Dieu a mis en place. Les trésors, les pierres précieuses, tout ce que tu peux envier, tout ce que tu peux rêver avoir, Dieu avait tout placé dans les jardins pour l'homme. Toi et moi, nous savons ce qui a dévié l'homme, ce qui a fait que l'homme est rentré dans une vie de privation. Mais Dieu est revenu pour la restauration. Nous allons lire dans le psaume 36, le verset 8 à 10. Et le psaume 37, le psaume 87, verset 7. Et nous allons avancer rapidement. Psaume 36, les versets 8 à 10. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Alléluia. Amen. Combien est précieuse ta bonté! Et Dieu n'a pas manqué de dire que lui il renouvelle chaque matin ses bontés et ses compassions. Dieu renouvelle chaque matin. Pourquoi renouveler chaque matin? Pourquoi dans ta maison tu renouvelles la nourriture chaque matin? Est-ce qu'il y a un bon père de famille ici qui a les moyens, qui n'a pas renouvelé la nourriture de ces jours, qui n'a pas disposé la nourriture de ces jours? Si Dieu est un père, il dit que nous sommes méchants, mais nous savons donner de bonnes choses. Et lui Dieu, c'est pour que dit qu'il renouvelle ses bontés, il renouvelle ses biens. Tout ce qui est bien pour moi, tout ce qui est bien pour toi, tout ce qui est bien pour la création, Dieu les renouvelle. Dieu fait quoi? Il les renouvelle. Pourquoi? Parce qu'il veut que l'homme vit dans l'abondance. C'est pourquoi il continue dit qu'il nous rassasie. De quoi? De l'abondance de sa maison. Tu es dans la maison de qui? Tu es membre de quelle maison? Tu es fils de quelle maison? Dieu dit qu'il rassasie de bien. Il dit aussi qu'il nous rassasie de l'abondance de sa maison. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu
et repartir affamé. Là, tu n'es pas venu dans la maison de Dieu. Tu es venu dans une salle climatisée, moquetée. Ça, ça ne rassasie pas de l'abondance de Dieu. Il nous abreuve au torrent de ses délices. Et il termine en disant, Car auprès de toi, la source de la vie. Auprès de toi est la source de la vie. Donc la vie a une source. Et celui qui est la source de la vie me dit, auprès de moi, ce n'est pas loin de moi, mais c'est auprès de moi qu'il y ait quoi? La source de la vie. Demande à ton voisin, à ta voisine, es-tu près de Dieu ou bien loin de Dieu? Et dis près de moi. Près de toi. Si je m'éloigne de lui, je m'éloigne de la source de vie. Et le psaume 87, verset 7 dit, c'est en toi que sont toutes nos sources. En Dieu, en celui qui t'a créé, que sont toutes tes sources. Les sources dont j'ai besoin, les sources dont tu as besoin, il dit que c'est en lui. En dehors de lui, tu n'as pas la source de vie. Et c'est pour qu'il va tout faire pour venir en nous et nous permettre d'être en lui. L'avantage de la nouvelle création, c'est d'être en Christ et Christ en nous. Et il dit que c'est en lui que sont toutes nos sources. Tu es en qui? Et qui est en toi? Si celui qui est la source de la mort est en toi, comment sera ta vie? Une vie de mort. Si celui qui est la source de la malédiction est en toi, comment sera ta vie? Une vie de malédiction. Il dit en lui. Et le Nouveau Testament est rempli de en nous, avec nous. En nous et avec nous. C'est ça la différence. Est-ce que tu es rentré dans en nous ou avec nous? Ça, c'est un roi qui a découvert, de par sa relation avec le Seigneur. Et ce roi n'a jamais manqué. C'est le même roi qui a dit, comme toutes mes sources sont en toi, je fais de toi mon berger et je te permets de me conduire. Et quand il a déclaré, l'Éternel est mort, je ne manque de... Ah. Dites-moi, qu'est-ce que David a manqué? Malgré ses péchés, malgré ses erreurs, malgré ses épreuves, malgré ses luttes, malgré ses combats, qu'est-ce qu'il a manqué? Parce qu'il a découvert la source. Et il est allé vers la source. Il a eu des ennemis plus que toi. Il a été combattu plus que toi. Il a rencontré des épreuves plus que toi. Il a connu des épreuves de famille. Il a connu des épreuves de service. Mais il a dit qu'il n'a rien manqué. Parce qu'il a découvert la source. Cessons d'être religieux. Vivons avec Dieu. Dit qu'il n'a rien manqué. Et quand Jésus-Christ est venu sur la terre,
Jean 7, verset 37 à 39. Il va nous faire une déclaration. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit. » Le dernier jour de la fête, Jésus se tenant debout comme je me tiens debout ce matin. Jésus se tient encore debout ce matin devant nous. Et il dit à quelqu'un, il dit à quelqu'une, si tu as soif, viens à moi et bois des fleuves de vie. Wow. Ce n'est pas des verres d'eau. Ce n'est pas des bidons de 1 litre et demi. Un bidon là. C'est de quoi? La notion du fleuve veut dire quoi? La notion de fleuve veut dire quoi? Qui ne tarit pas et qui ne s'arrête pas. Qui coule permanemment. Des fleuves de vivre. Si toi tu es attaché à un verre d'eau, c'est à toi qui l'appelle ce matin. Si tu es même attaché à la Soneb, Sonneb, on appelle robinet. On appelle château. C'est pourquoi ça peut couper. Alléluia. Amen. Si tu es attaché à un forage, c'est de l'eau. Le forage, mais ça tarit. Jésus se tenant devant toi ce matin. Dis à quelqu'un, il est plus près de toi. Il te dit, si tu as soif, viens et bois. Des fleuves de vie vont couler en toi. Il faut que tu sois attaché à ce fleuve. Il parlait du Saint-Esprit qui allait venir et qui n'était pas encore venu. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est, il est venu où? En Israël. Il est venu où? Qu'est-ce qui coule en toi alors? Si le Saint-Esprit est venu en moi, quand la Soneb a installé ses robinets en toi, tu as reçu l'eau ou bien tu n'as pas reçu? Et quand tu ne reçois pas, qu'est-ce que tu fais? Pardon? Avant d'aller te prendre, il faut vérifier si tu as payé tes factures. Avant d'aller te plaindre là, il faut vérifier que tu es en règle avec la. Sinon les robinets sont là. Faut pas te plaindre avec tes robinets. Ils ne vont même pas te répondre. C'est pourquoi même si tu parles au robinet, le robinet n'a même pas de bouche ni d'oreille. Des fleuves de vie vont couler. J'ai aimé l'expression les fleuves. Dans Genèse 2, il dit qu'il y avait un fleuve avec quatre branches. Qui faisait quoi? Qui arrosait le jardin? Qui faisait la beauté du jardin? Une vie sans fleuve. Un pays sans fleuve. Dites-moi, quel sera ce genre de pays? Un pays sans eau. Regardez les pays qui n'ont pas d'eau.
On les appelle quoi? Les hein? Enclavé, désert. Donc le Saint-Esprit est venu pour que tu ne sois pas enclavé, pour que je ne sois pas désert, ni aride, ni sec, ni vide. C'est pourquoi il dit que celui qui a soif n'a qu'à venir. Des fleuves de vivre vont couler. C'était ce fleuve avec ses quatre branches qui révélait la gloire et la beauté du jardin d'Éden. L'admiration. Là où un fleuve coule, vous voyez la différence des plantes, de la verdure autour de ce fleuve. Nous sommes là. Que ta vie soit verdoyante ce matin. Que ta vie revête de verdure. Amen. Parce qu'il y a un fleuve qui coule en toi. Ça, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes là? Jésus dit le dernier jour de la fête. Pourquoi pas le premier jour? Voici une fête qui dure pendant une semaine et voire même plus avec les préparatifs. Il vient le dernier jour. Et le dernier jour, chacun a goûté à toutes les boissons. On a dit jour de fête. C'est ça, non? Et jour de fête, tu peux venir manger chez moi. Je peux aller manger chez toi. On fait le tour de maison, hein? Chacun apprécie la boisson de l'autre. Chacun apprécie la viande de l'autre. Donc, il ne devrait pas y avoir un problème de soif. C'est le dernier jour qu'on peut identifier les ivres. Mais il n'a pas demandé si quelqu'un est ivre. Malgré ce que nous vivons, l'auteur de la vie voit une soif en chacun de nous. Lui, il est allé le dernier jour de la fête. Il dit à quelqu'un, nous sommes au dernier jour de la terre. Nous sommes dans les derniers jours. C'est ce que le Saint-Esprit veut te dire ce matin. Tout ce que nous voyons là, c'est les signes que nous sommes au dernier jour. Et nous avons besoin des fleuves de vie. Les réalités du monde essaient de nous dire que les choses se compliquent. Les robinets du monde se ferment. Le monde n'a plus de sources ni de ressources. Nous sommes là. C'est ce qui traduit les conflits et les guerres partout. Mais le Seigneur dit que toutes nos sources sont en lui. Si l'Église ne se retourne pas vers celui qui est la source, le monde vaudra mieux que nous. Cependant, Dieu a placé l'Église comme la solution du monde. L'Église pour sauver le monde. Mais où est la réalité de notre salut pour le monde? En quoi tu es sauveur pour le monde? Pourquoi? Nous aussi nous avons abandonné la vraie source. Et nous courons vers les robinets du monde. On court vers les fontaines du monde. Nous avons aidé le monde à tarir ses fontaines.
Le Seigneur nous demande à revenir à lui, qu'il vienne. Voyez, le psaume 65 dit, quelle est la source de Dieu là? Si ça m'a autant, ne s'épuise jamais. C'est à partir du verset 10 au verset 12. Ce n'était pas un verset prévu. Psaume 65, verset 10 au verset 12. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu visites la terre et tu lui donnes la sécheresse. Tu visites la terre pour la dépouiller. Ah. Il y a des visites qui dépouillent. Mais quand lui il visite, il fait quoi? Il fait quoi? Dieu verse l'abondance. La terre et tu lui donnes l'abondance. Quand Dieu te visite, il te donne quoi? Donc depuis que toi tu es chrétien, Dieu ne t'a jamais visité. J'aimerais bien te poser la question. Depuis que toi tu as connu Christ là, Dieu ne t'a jamais visité. Si Dieu t'a visité, lève la main. Je vais te suivre pour aller voir l'abondance. C'est clair. Si Dieu me visite là, si j'ai permis à Dieu de me visiter, je dois voir l'abondance. Regardez un innocent à qui on a pris l'âge de l'Éternel à cause d'un problème, aller parquer dans sa maison. Et sa maison a été visitée par qui? Obed, je crois. La Bible dit que Dieu a béni la maison d'Obed. Dieu a béni ses enfants. Je ne peux pas comprendre. Dieu m'a visité. Et c'est des cauchemars. Où est l'abondance? L'abondance est où? Ce matin, j'aimerais que tu fasses la part des visites. Et je veux que tu sois honnête avec toi-même. Jésus a dit, dans Jean 10, le voleur, quand lui, il vient, il vient pour détruire, égorger, pour tuer. Qui a reçu sa visite? Il va dire, ce n'est pas Dieu seul qui visite. Hein. Il y a quelqu'un aussi qui se promène. Il a bien dit à Dieu que lui aussi se promène par toute la terre. Par toute la terre. Et il cherche qui il peut visiter. As-tu reçu la visite de qui? Drapon, mais toi, aïe. Quand il visite, il vole. Il détruit. Il égorge, il tue. Mais Jésus dit, moi, je suis venu. Ça veut dire qu'il t'a visité aussi. Il m'a visité. Et quand il visite, il fait quoi? Il donne, il repent, il communique, il déverse la vie et la vie en abondance. Il y a quelqu'un, restauration de vie. Si le voleur t'a visité,
permet que Jésus te visite aussi. Il y a quelqu'un, si le voleur t'a visité, permet que Jésus te visite. Il va changer ce que le voleur a fait. Il va restaurer ce que le voleur a détruit. Il va donner vie à ce que le voleur a tué. Dis Seigneur Jésus, merci pour ta visite. Dis Seigneur Jésus, restaure ce que le voleur a volé. Restaure ce que le voleur a détruit. Restaure, donne vie à ce que le voleur a tué. Si tu crois, c'est ainsi. Je libère la restauration dans ta vie. S'il a volé ta vie est restaurée ce matin. S'il a volé ta famille est restaurée ce matin. S'il a volé ton travail est restauré ce matin. Tu vas aller travailler. S'il a volé ton argent et tu es dans la pauvreté, je déclare que tu es restauré financièrement. Quel que soit ce qu'il a volé, le Seigneur est venu pour restaurer. Je suis venu. Il n'a pas dit qu'il va venir. Je suis dit, Seigneur, tu es venu. Même ce matin, tu es là. Si j'étais ignorant, maintenant j'ai la révélation. Tu es venu dans ma vie pour restaurer, pour me donner la vie. La vie en abondance. Je rentre dans ton abondance ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Romains 8, parlant du Saint-Esprit, l'apôtre Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit, va nous révéler quelque chose de très important. Versets 1 et 2. Romains 8, les versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. En effet, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont de nous. Les sommes disent que toutes nos sources sont en Dieu. Toutes tes sources sont en Dieu. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. Que quelqu'un dit maintenant et pour toujours. Dis encore maintenant et pour toujours. Il n'y a donc maintenant, et moi j'ajoute pour toujours, c'est ma foi. Il n'y a donc maintenant et pour toujours aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? La suite dit, en effet, que quelqu'un dit en effet. Quand je suis en Jésus-Christ, il y a un effet. Si tu es dans quelque chose et il n'y a pas d'effet, il faut laisser la chose. Maman ancienne est d'accord avec moi. Toi, tu es dans quelque chose, il n'y a pas d'effet. Pourquoi tu perdures dans la chose? Pourquoi tu es attaché à des choses qui n'ont aucun effet? En effet, dis encore en effet. Dis Saint-Esprit, je veux ton effet. Je veux voir l'effet. Tu as vu l'effet de la maladie, non? Tu as vu l'effet de la pauvreté, non? Quelqu'un nous a posé la question de lui donner 5 avantages de la pauvreté. Premier avantage. Médisance. Ah bon?
Donc maintenant je te pose la question, pourquoi tu es assis avec la pauvreté? En effet, la loi de l'esprit de vie. Que quelqu'un dit la loi de l'esprit de vie. Encore la loi de l'esprit de vie. Nous a affranchi, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis affranchi, tu es affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a deux grandes lois qui gouvernent la terre. La loi du péché et de la mort gouverne la terre en disant l'âme qui pêche, l'âme qui meurt. Il n'a pas dit l'âme qui commet un grand péché. Il a dit quoi? Si tu es lié à cette loi, quel que soit le péché, la condamnation c'est quoi? La sanction c'est quoi? La mort. Ah oui. Tout péché étant dans cette loi-là, le processus de mort a commencé. Quel que soit le péché. Maintenant, Dieu dans son amour va amener une loi. Que quelqu'un dit loi contre loi. Aujourd'hui, les gouvernements se combattent avec des lois. C'est ça, non? Ah, telle loi. Telle loi. Est-ce qu'ils ne vont pas venir à la loi de l'esprit de vie, c'est fini? Si on vient à la loi de l'esprit de vie, on est affranchi. Pourquoi nous allons continuer de nous combattre avec des lois? Au moment où la loi de l'esprit de vie nous a été donnée, ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Cela ne veut pas dire que je dois continuer à pécher aveuglément en disant qu'il n'y a pas de condamnation. Là, j'offense le Seigneur et je ne crois pas à sa parole. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu marche dans la vie de celui qui croit en elle. Si tu ne crois pas, ça ne marche pas. La loi de l'esprit de vie, l'esprit de vie c'est qui? C'est qui? C'est le? Donc, qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort? C'est le? Qui a vaincu la loi du péché et de la mort? C'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est venu en nous et qui coule comme des fleuves de vie, qui assainit nos vies. C'est le Saint-Esprit. Le verset 5 dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes affranchis de la loi du péché et de la mort. Mais le péché et la mort, c'est des ennemis très dangereux. Si ton ennemi veut te nuire, ce n'est pas parce qu'on t'a délivré de ta main aujourd'hui que demain il ne va pas chercher à te nuire. Maintenant, la loi du péché et de la mort va encore chercher un autre moyen. Nous sommes affranchis. Mais nous vivons dans une chair. Il va attaquer quoi maintenant?
Si il arrive, bien que je sois affranchi, à m'amener, à m'attacher à la chair, et beaucoup malgré qu'ils sont en Christ, au lieu de s'attacher au Seigneur, au lieu de s'attacher à Christ, ils sont en Christ, mais ils vont s'attacher à quoi? Aux choses de la chair. Et c'est à travers ces choses de la chair que la mort doucement va commencer à faire quoi? À entrer. Ils sont chrétiens morts. Parce que la chair a ouvert la porte. C'est pourquoi dit ceux qui vivent, ceux qui s'affectionnent, donc l'affection du moins, l'affection aux choses de la, que quelqu'un dit la chair a des choses. Et ces choses seront appelées les actions. Ce matin, nous allons voir les actionnaires de la chair. Vous aimez les actions, non? On va voir les actionnaires de la chair. C'est dans la Bible. La Bible répond toujours à la Bible. Tu peux continuer. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Verset 6. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La vie et la paix. Si je m'affecte, le Saint-Esprit est venu à moi pour que je m'attache à lui. Mais si malgré qu'il est là, je m'attache à la chair, c'est la chair qui va amener encore la mort. Cependant, lui, il est là. C'est la chair qui ferme les robinets du Saint-Esprit. C'est la chair qui coupe les branches du fleuve du Saint-Esprit dans ma vie et dans ta vie. Donc, notre véritable combat, ce n'est même plus contre Satan ni contre les démons, c'est la chair, la vie charnelle. C'est ça le véritable problème. C'est ça ton problème, c'est ça mon problème. Le verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le verset 11. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite, dans la Bible, il faut aimer souligner le mot « en ». S'il habite en nous, il donne la vie à notre corps mortel. S'il habite en moi, c'est lui le fleuve dans le jardin d'Éden avec quatre branches qui donnaient la vie au jardin. S'il est en moi, imaginez que le jour où le fleuve dans le jardin coupait, le jardin allait devenir quoi? Il y aura la vie. Il n'y aura pas de vie. Benandia. Si le Saint-Esprit habite en moi, je me demande pourquoi il a mis si ici. Pourquoi il a mis si? Parce qu'effectivement, je peux me tromper. Et beaucoup de chrétiens se trompent. Que le Saint-Esprit vit en eux et à la mort. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité le corps de Jésus-Christ d'entre les morts, je veux que tu prennes quelques secondes pour essayer de voir le corps de Jésus-Christ à la croix. Comment on peut donner vie à un corps comme ça? Je disais que le corps de Jésus-Christ à la croix, là, c'était comme un poisson qu'on a fumé, cramé. Le sang a coulé de la tête jusqu'aux pieds.
Et comme il était laissé sous le soleil, le corps a séché, le sang a séché sur son corps, collé partout. C'est pourquoi on dit qu'il était défiguré. Il ne ressemblait plus à un être humain. C'est ce corps-là, déposé dans le tombeau, que le Saint-Esprit va aller faire quoi? Ressuscité. Est-ce que tu peux regarder le corps de Jésus? Même si c'est quelques secondes. Si la Bible est vraie, si c'est la parole de Dieu, je peux croire. Il dit que si cet esprit habite en toi, toi ton corps est cramé. Mais regardez-lui son corps. Et c'est le Saint-Esprit qui a donné la vie à ce corps. Est-ce que nous allons nous ressaisir? Ici, là, tu as besoin d'une prophétie. Tu as besoin que quelqu'un te prophétise pour dire la parole de Dieu n'est pas plus que les prophéties d'hommes. Si c'est lui qui habite en moi, il donne la vie. C'est bien dit à mon corps mortel. Jésus ne nous a pas garanti que la mort ne va pas te toucher. Même si la mort me touche, même si on envoie la mort, si le Saint-Esprit est là, lui il fait quoi? Quelqu'un donne la mort, l'autre donne quoi? Quelqu'un envoie la mort, l'autre envoie quoi? Quelqu'un envoie la mort, l'autre envoie. Élève ta voix, dit Saint-Esprit, tu envoies la vie dans mon corps, tu renvoies la mort et ta vie prend place. C'est toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Oh, tu es en moi pour donner la vie. Tout mort en moi est changé en vie. Toute infirmité en moi est changée. Que ta vie coule dans mes membres. Je refuse la maladie. Je refuse le diabète. Je refuse le cancer. Je refuse toute maladie et toute infirmité. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ta vie. Merci pour ta vie. Je te bénis pour ta vie. Le verset 12 et 13. La puissance de la vie en Christ, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en deux dimensions. Si on voyait que Jésus faisait des miracles, il guérissait, Jésus faisait deux choses. La Bible dit qu'il prêchait et il enseignait. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ah. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous faites mourir les actions du corps. Qui doit faire mourir? Si l'esprit est en toi et en moi, je suis autorisé. Je suis qualifié pour faire quoi? Mourir les actions du corps. Ah, donc, es-tu actionnaire du corps qui est la chair ou bien tu es actionnaire du Saint-Esprit? Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous allez vivre. Maintenant, comme le temps passe, on n'a même pas touché la marche ni l'action. Mais ici par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Il y a des actions dans le corps qui donnent la mort. Colossiens 3, verset 5 dit. On peut lire le verset 1 à 5. Colossiens 3, verset 4 à 5. Donnez-moi encore deux minutes.
Quand Christ votre vie paraîtra, quand Christ votre vie paraîtra, Christ alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous allez paraître avec lui dans la gloire. Vous allez commencer à vivre une vie de gloire. Faites donc mourir. Le Saint-Esprit dit, si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps. Je voudrais que nous comprenions en français simple. Que chacun comprenne cela dans son langage simple. Et nous allons passer à l'exercice pratique. Va pratiquer à la maison. Tu peux prendre le temps de faire mourir des choses. Si tu ne les fais pas mourir, ils vont te faire mourir. Le verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Une version dit les membres qui agissent dans votre corps. Donc il y a des membres qui agissent dans mon corps qui donnent quoi? Qui donnent quoi? Et le Seigneur, si le Saint-Esprit est en moi, je peux les faire mourir. Ces membres, c'est quoi? L'impudicité. Très bien. L'impudicité, c'est un quoi? C'est un... Bon, montrez-moi ce membre de façon physique. Toi qui vis dans l'impudicité là, lève-toi et montre-nous ce membre. L'impudicité, c'est un membre charnel invisible. S'il est en toi, tu ne peux pas ne pas vivre dans l'impudicité. L'impureté là, tu n'as qu'à beau frapper ta fille, frapper ta femme, frapper ton mari. Si l'impureté est en lui, c'est un membre invisible. Il dit que ton mari est adultère, ta femme est adultère. Il y a un membre qui agit en elle. Toi, tu ne vois pas. Tu vois seulement les actes. Dites-moi. Un homme qui n'a pas de sexe peut aller commettre l'impureté? C'est non ou bien c'est oui? Tu n'as pas de sexe. Tu vas aller commettre l'impureté avec quoi? De même que tu vois ce membre physique. Spirituellement, il y a des membres qu'on appelle, là on n'appelle pas Jésus, hein? Là on appelle quoi? Impureté. Il est là. C'est ça qui te pousse. Tu luttes, tu jeûnes. On a dit de jeûner ici. On a dit de faire quoi? De faire. Oui. Et le secret pour faire mourir simplement. Proverbe dit que la vie et la mort sont. Demande à quelqu'un, tu as une langue. C'est pas ta langue, avec l'aide du Saint-Esprit, que je fais mourir les membres qui agissent en moi pour me donner quoi? La mort. Et je favorise la vie du Saint-Esprit en moi. Nous allons nous arrêter là. Déjà, si tu permets au Saint-Esprit que chacun regarde dans sa vie. On dit à l'impudicité, il y a l'impureté. On dit à quoi? La débauche, les passions. On dit il y a l'idolâtrie. Et si nous continuons dans le verset 8, il dit à quoi? La colère, la méchanceté, les paroles déplacées, tout ça c'est dans nos membres. Mais toi tu vois seulement ta langue, mais tu ne vois pas ce qui est attaché à ta langue. Et vous allez dire, ah, elle parle mal, elle parle arrogamment. Si l'arrogance est attachée à ses membres, comment veux-tu qu'elle ne parle pas avec arrogance?
Ce qui est attaché à toi là, c'est ce qui va se manifester. Donc ce matin, je vais t'inviter sans te condamner parce que tu es déjà délivré. Dire merci au Seigneur pour sa parole. Dire merci au Seigneur pour cette révélation. Quels sont les membres qui agissent en toi? La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Au lieu d'utiliser ta langue pour détruire tes frères, pour faire mourir tes frères, pour faire mourir leur renommée, leur réputation, utilise ta langue ce matin et fais mourir ces choses. Je l'ai appliqué à ma vie. J'ai vu les résultats. Si tu veux voir les résultats ce matin, dis Seigneur, merci pour ta révélation. Merci pour ta parole. J'ai besoin de tes fleuves de vie qui est le Saint-Esprit. Comme ta parole l'a dit, je suis en toi. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Parce que le Saint-Esprit m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Prends quelques minutes seulement et prie. Prends quelques secondes. Utilise ta langue. Tu vas déclarer par la puissance du Saint-Esprit tout membre qui agit dans mon corps pour me donner la mort, je les fais mourir. Que l'impureté meure en moi. Que l'arrogance meure en moi. Que toute maladie, toute infirmité meure en moi. Que la pauvreté meure en moi. Que l'échec meure en moi. Tout ce qui ne donne pas la vie meure dans mes membres. Meure dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux plus habiter la mort. Je ne peux plus loger la mort. Je veux que tu sois sérieux. Pendant que tu le fais, tu es guéri. Pendant que tu le fais, tu es délivré. Tu es restauré, tu es affranchi. La vie pénètre tes membres. La vie prend place. La mort disparaît. La vie prend place. La mort disparaît. Quand le Saint-Esprit descend, il y a un transfert. Oh, la mort est transférée de ton corps vers le séjour des morts. Et le Saint-Esprit amène sa vie maintenant. Oh, bénis le Seigneur ce matin. Donne-lui toute la gloire. Si à la mort dans une partie de ton corps, déclare que la mort disparaît de ton corps. La mort libère ton âme. La mort libère ta famille. La mort libère tes finances. La mort libère ton entreprise. La mort libère ton commerce. La mort libère ton service. La mort n'a plus de place. C'est le Saint-Esprit qui prend place. C'est la vie qui prend place. Seigneur, je veux vivre avec toi. Je vis avec toi. Merci pour la vie abondante. Merci pour la vie abondante. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, acclame le Seigneur.